Simbizi Poutine, c'est ma vumba. Toi, tu as dit que tu m'aimes. Comment tu m'aimes? Je t'aime avec ton caractère. Qu'est-ce qui peut me prouver que tu m'aimes? Ton visage. Non, oui, ton physiquement. Ton physiquement. Alors, d'abord, tu fais quoi dans la vie? Tu fais quoi dans la vie? Je suis une étudiante. Où? Une étudiante. À l'université. Quelle université? Université de sagesse, campus Kamenge. Tu as fait l'école secondaire où? Angozi. Sur quel établissement? Angozi, lycée technique personne. Lycée technique personne. Dans l'université, ma faculté c'est santé publique. Premier projet de moi et toi, mariage. Où on va trouver l'argent de faire toutes ces cérémonies-là? Pour moi, j'ai de l'argent. À part suivre tes études là-bas? Je fais le commerce. Tu es une commerçante? Yeah. De quel commerce que tu fais? Un commerce, c'est... pièces de rechange. Tu vends des pièces de rechange des motos, des tuk-tuk. Alors, maintenant, il y a une décision qui a été prise par le ministère de l'Intérieur de délimiter les motos. Comment tu as pris cette décision? Décision. Ma décision, en tout cas, il y a un impact de commerce, ces pièces. Et puis, en tout cas, une moto de les gouverneurs. Les étudiantes d'aujourd'hui. C'est chaud. Les motos. En tout cas, les dettes sont malades. En tout cas, les dettes, ça commence de bouger. Les dettes, ça commence de bouger. Les motos. Alors pourquoi pas est-ce que tu qui appartiennent au bureau quelconque. Ça commence de circuler, je pense. Est-ce que tu as trouvé le capital pour investir dans le commerce? Capital? Hey. 3 millions. Non, qui t'a donné? Où est-ce que tu as trouvé le capital pour commencer ton business? J'ai trouvé le capital aux amis. Aussi l'élevage? Oui. Comment? Quel élevage? Et le porc. Le quoi? Un big ingurube, cochon. Il te donne des revenus? Oh, non, on va dire quoi? Hey, qui est canier? La guéquette? La bouteille, c'est chandek. Comment tu as trouvé mon émission? J'exerce de parler en anglais, pas en français. Now we can change and speak English. I can try in English. You can try English. Yes. So how did you found my show in French? In French. Yeah. Because, in French. Yeah, because now I all my show are in French. How did you get it?
How I can give you the a mic and you can ask me something, right? Yeah. Uh-huh. Take the mic. Our best friend. I'm here with my sister best here. Elle s'appelle Edine. Elle fait l'université Sagesse d'Afrique, campus Kamenge. Et elle est belle, elle m'a dit qu'elle m'aime. Moi je suis en train d'y penser, n'est-ce pas? N'est-ce pas ce que je peux? Can you kiss me? Salamu mutwe. Ndabakunda uzokwigana ikiganiro azopfungwa. Bonjour. C'est Simbizi wa Semavumba. Poutine. Simbizi Poutine Semavumba. C'est mon nouveau nom. Et aujourd'hui, je suis avec Edine Irankunda. Edine Irankunda. Edine Irankunda. Yeah. Toi, tu as dit que tu m'aimes. Comment tu m'aimes? Non, quoi? Aujourd'hui, vous connaissez bien que sur nos plateformes, les interviews sont en français. Je t'aime avec ton caractère. Quel caractère? Caractère, ton physiquement. Physiquement? Est-ce que tu me reconnais? Yeah. Ça fait combien de temps que tu suis mes pas? Pendant 6 mois. 6 mois? Comment, explique-moi. 6 mois, je recherche aux réseaux sociaux. Je vois ton photo. Et puis, je regarde bien. Tu habilles bon. Ok. Hey. C'est chaud aujourd'hui, c'est chaud. Je suis en train de parler avec une fille qui est venue chez moi avec un caméraman. Elle a dit qu'elle est même. Alors, qu'est-ce qui me prouve que tu m'aimes? Qu'est-ce qui peut me prouver que tu m'aimes? Kevin, pourquoi tu pars? Aujourd'hui, c'est chaud. Si je dis tu aimes, je t'aime beaucoup. Comment? Alors, comment? Qu'est-ce qui me prouve? Qu'est-ce qui m'assure que tu m'aimes? Ton visage. Non, oui. Ton physiquement. Ton physiquement. Alors, je fais que tu me prouves. Qu'est-ce qui peut. Confie, même. Et toi, et moi. Confie. Ton fils, c'est quoi? C'est comme argent de poche. Argent de poche. Mais moi j'ai pas d'argent. Moi je suis fauché. Si tu n'as pas d'argent et puis tu habilles comme ça. Tu habilles comme ça. Est-ce qu'il t'a laissé les clés? Ok, c'est bon. Et je m'habille. Est-ce que je m'habille comme quelqu'un qui a de l'argent? Alors, d'abord tu fais quoi dans la vie? Tu fais quoi dans la vie? Je suis une étudiante. Où? Une étudiante. Tu es étudiante où? À l'université. Quelle université? Université de Sagesse, Campus Kamenge. Campus Kamenge. Maintenant, je suis en train de parler avec une étudiante à l'université Sagesse, Campus Kamenge. Alors, et tu as fait l'école secondaire où? Angozi. Sur quel établissement? Angozi, lycée technique. Personne. Et cette technique est personne. Ok. Même là-bas, est-ce que tu as fait le fondamental? Non. Oui. C'est qu'on a. Ancien système. Yes. Tu as fait l'école technique à personne. Et après dixième. Et quelle section?
Informatique de gestion. Informatique de gestion. Est-ce qu'à l'école, on vous apprenait le Kirundi au supérieur? Ah, oui. Ok. Et alors? Et maintenant, tu es dans quelle faculté à l'université? Dans l'université, ma faculté c'est santé publique. Santé publique. Yeah. Alors, tu fais la santé publique. Mm. Hein? Aujourd'hui, tu m'aimes. Mm. Tu as quel projet avec moi? Projet d'abord de mariage. Mm-hmm. Moi et toi. Mm-hmm. Et premier projet de moi et toi, mariage. Mariage. Yeah. Quand? Si tu m'aimes, la semaine prochaine. La semaine prochaine. Mm. Mais l'argent, mais le mariage, ça demande des frais, beaucoup d'argent. Mm. Et comment tu as planifié? Parce que moi, tu es venu bien que tu m'aimes, ok? Si par hasard j'accepte ta proposition, hein, où on va trouver l'argent de faire toutes ces cérémonies là? Mm. Pour moi, j'ai de l'argent. Je sais pas ce que toi, tu es de l'argent. Mm-hmm. Toi, tu as de l'argent. Mm-hmm. Ouh, mais toi, tu m'as dit que tu es une étudiante. Mm. Est-ce qu'il y a d'autres... Tu as un emploi? Il y a d'autres. D'autres, que tu fais? Tu fais quoi? Mm. À part suivre tes études là-bas. Je fais la commerce. Tu es une commerçante? Mm. Yeah. De quel commerce que tu fais? Un commerce, c'est... pièces d'échange. Où? À Kinam. Tu vas des pièces d'échange de des motos, des tuk-tuk. Alors, maintenant, il y a une décision qui a été prise par le ministère de l'Intérieur de délimiter les motos. Comment tu as pris cette décision? Décision. Ma décision. Mm-hmm. En tout cas, les. Ah, bah quoi, tu t'as décalé. Yes, non, réponds d'abord. Comment tu as pris la décision? Tu es une commerçante, tu vas les pièces de rechange des motos, des tuk-tuk, et on a délimité les motos. Alors, je veux savoir comment tu as pris cette décision. Est-ce que ça il y a un impact sur ton commerce? Comment, je veux que tu t'exprimes. Oui, ça. Il y a un impact de commerce, c'est ces pièces. Mm-hmm. Et puis en tout cas une moto de les gouverneurs. Les étudiantes d'aujourd'hui. Hey, c'est chaud. Mm-hmm. Les motos. Les dettes, ça commence de bouger. Monsieur le caméraman, mais là tu as déjà combien de minutes?
Depuis le début, on a déjà fait 9 minutes seulement. Mm-hmm. Les dettes, ça. Tu vas aussi les pièces de dette. Tu vas les pièces de quel. Ça commence de circuler sur ville. Sur ville. Les dettes. Et tu vas aussi les pièces. Moi, je croyais que tu vas les pièces de TVS. Les dettes, les motos. Alors pourquoi pas est-ce que tu. Qui appartiennent au bureau quelqu'un que. Ça commence de circuler, je pense. Parce que, alors, comment est-ce que tu mélanges l'école et son business? Parce que je fais le business pour obtenir des frais pour payer à l'université. Ah, c'est toi qui paies toi-même, oui. Ou bien c'est les parents? C'est moi qui paie. Ok. Et qui t'a donné la capitale? Où est-ce que tu as trouvé le capital, le capital pour investir dans le commerce? Capital? Hey. 3 millions. Non, qui t'a donné? Où est-ce que tu as trouvé le capital pour commencer ton business? J'ai trouvé le capital aux amis. Aux amis? Ou bien c'est la famille? Non. Ta famille se trouve où? Ta famille? Oui, ta famille. Se trouve où? Ouais. À Kayanza. À Kayanza? Mais tu m'avais dit que tu es dans Ngozi. Mais là, tu changes. Tu Ngozi. Kayanza. Baba, maman, papa. Et puis Ngozi, ma famille. Habite à Ngozi. Ah, mais est-ce qu'il n'y a pas d'autres projets que tu fais là-bas? D'autres projets? Non, pas d'autres. Mais tu n'as même pas les champs. Tu vois, même ici à Bujumbura, tu vois, il y a des gens qui cultivent tout, ils font les manioc, quoi. Non. Est-ce que tu n'as pas pensé à investir dans l'agriculture, dans l'élevage? Dans l'élevage. Tu fais aussi l'élevage? Oui, oui. Comment? Quel élevage? Et le porc. Le quoi? Cochon. Tu fais, explique comment tu fais cet élevage de cochon. J'ai fait l'élevage de cochon, mes chers. Oui. Et tu as des revenus? Il te donne des revenus? Oh, madame, je ne sais pas. Qu'est-ce qui gagne? La guéquette. Qu'est-ce que tu peux dire aux gens qui sont en train de nous suivre? À tes camarades, à tes amis. Mes camarades qui me suivent aux caméras. Je t'encourage de chercher ce que tu as fait. Pour prendre bonne occasion. De vivre. De vivre. Pour prendre de bonnes occasions de vivre. Ok. Est-ce que toi tu bois de la bière? Moi? Oui. Vino. Vino? Mais tu es cher. Pourquoi tu es cher, toi? Parce que la bière, c'est une. Personne ne sait comment il t'a. Je bis le vin, c'est tout. Mais chez vous, à Kayanza, il y a beaucoup de liqueurs. Et Kayanza? Oui. Yeah. Aïmen. Et. Tu connais la société où on produit des liqueurs, les Caribes. Les Caribes? Tu as déjà goûté? Non. Pourquoi?
alors que tu es de Kayanza? David, je suis en deck. Alors, tu trouves comment mon émission doit perdre le temps en français? Ah, tu ne couches la goutte. Non, écoute, comment tu as trouvé mon émission? Alors, si tu ne comprends pas cette question, alors comment tu parce que je crois qu'à l'université, vous apprenez tous les cours en français, n'est-ce pas? En français ou en anglais? J'exerce de parler en anglais, pas en français. Yeah. Now we can change and speak English. I can try in English. You can try English. Yes. So how did you found my show in French? In French? Yeah. Because, in French? Yeah, because now I all my show are in French. How did you get it? In French? Yes. But no show in France. You talk to me and I talk to you. Yeah. I talk to you. You told me that you can try to explain. To explain you in practice English. In English. Yes. Because at the school. Not in French. Not in French. Yeah. Now in English is better. Mm. You can try in English. Yeah. It's better. So now let's go in English. Mm-hmm. How I can give you the mic and you can ask me something. Mm-hmm. Right? Yeah. Uh-huh. Take the mic. Our best friend. Mm-hmm. I'm here mm-hmm. with my just best with you. I'm here with Simbiz. Simbiz. Tell them that you love me. Tell them that you love me. Now I love Simbiz mm-hmm. because they are physical and I'm better in bed. Yeah. Did you get it? Simbiz, I tell me. Tell them that I'm better in bed. So, je vous aime beaucoup. Je vous aime beaucoup. Je vous aime beaucoup. Tu peux les. Et tu as pas un dernier mot à les dire? Je vous aime beaucoup. Oui, juste un dernier mot. Elle s'appelle Edine. Elle est fait l'Université Sagesse d'Afrique, Campus Kamenge. Mm. Et elle est belle. Elle m'a dit qu'elle m'aime. Moi, je suis en train d'y penser, n'est-ce pas? Mm. N'est-ce pas, Sushpe? Can you kiss me? Salamu mutku. D'abord, on a eu un peu de temps.